Je m'appelle Julien. C'est la première fois que je viens dans ce bâtiment. Et ce soir, je vais tenter une expérience avec vous. Un bon nombre d'appareils qui éventuellement peuvent se déclencher si vous en approchez. Merci. Vous adorez cet instrument? Alors si c'est vous, j'ai des frissons partout aussi. Si ça ne pas, ah, ça change. Est-ce que vous pouvez l'arrêter ou le faire sonner d'un coup plus fort? Essayez de le faire monter plus haut, s'il vous plaît. Vous êtes ici? Vous aimez l'appareil? Est-ce que vous pouvez l'arrêter si vous êtes bien à côté de l'appareil? Donc je vais l'arrêter. Sachant qu'il n'a jamais fait ça. C'est jamais déclenché quand on était à côté. Putain.
T'as vu comment il sonne? C'est vous qui faites ça? J'ai un doute. Bon. Hein? Ah oui, non, c'est pas logique. Sachant que c'est un câble qui est encore plus petit qu'avant. Donc... Là, il y a des cartouches. Ouais. Il faut très rapidement. Non, c'est vraiment... Bon, bah écoutez. Merci si c'était vous. N'hésitez pas à recommencer. On l'entendra de toute façon. Parce que je pense que, comme ici, on est dans un lieu où il y a de la musique, où il y a eu de la musique, ben, n'hésitez pas à vous servir de cet instrument. Est-ce que t'as trouvé ? Il y a un bruit derrière. Bon, merci. Ça part. T'as entendu parler, non? Après, il y a l'eau avec du chauffage. Bonsoir. Il y a quelqu'un avec nous dans ce bâtiment.
Ça se trouve, c'est ça. T'as entendu ça? C'était ça? Ouais. Ça se trouve, on l'a. Non, mais j'ai un truc qui faisait pip, 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 pip. Ouais, mais c'est ça. Ça l'a fait deux fois. Cherche pas, c'est ça. T'as reconnu? Non, c'était un bip. C'était pas un bip. C'est bien? Si c'est vous? Est-ce que vous pouvez le refaire? Jouer du piano? Est-ce que vous êtes là? Alors, on est dans un bâtiment qui a beaucoup d'historique. Pas trop donné d'infos, malheureusement. Ça ne veut pas présenter. Ça a commencé un peu fort quand même. Hein ? Ça a commencé vite. Non. On ne s'est même pas présenté aux abonnés. C'est toi qui a frappé ? Non. J'ai entendu. Mais deux fois. Hein ? Non, non, non. Ça a fait ça. Et moi, je m'appelle Julien. Donc, on n'est pas là pour vous embêter. De toute façon, c'est un lieu qui est occupé. Il y a de l'activité toute la journée. Donc, c'est un lieu qui vit encore. Et donc, on voudrait savoir si... Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? Quoi ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, un coup ? S'il vous plaît ? Marcher quelque part à l'étage.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que c'est vous qu'on a entendu tout à l'heure? C'est moi. Hein? Pouvez-vous faire un bruit si vous êtes avec nous ce soir? Toi? Il y a quelqu'un au troisième étage? Est-ce que vous êtes là, quelque part? Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes ici? Jouer du piano? C'est toi qui as fait ce bruit? C'est toi qui as fait ce bruit? Hein? Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes dans la salle de danse là-bas?
rester silencieux pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Pour le moment, ça reste très calme. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Vous êtes ici avec moi dans ce couloir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Toucher cet appareil. Vous voyez ? Il n'y a même pas besoin de le toucher. Juste l'approcher. Tout à l'heure, vous avez fait sonner le térémine là-haut. C'est toi ? Putain, j'ai flippé. J'ai poussé le casque, ça me perturbe trop. J'entends trop et je t'entends pas quand tu me parles, ça résonne. J'ai flippé, j'ai cru que le piano s'était mis à jouer tout seul. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Vous avez fait sonner le térémine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Le térémine, il sonne pas comme ça tout seul. Vous savez ce que c'est en plus ? Moi, je suis sûr que vous savez ce que c'est. Vous avez adoré jouer avec. Donc, si vous avez envie de recommencer, me faire savoir que ben, c'est bien vous qui l'avez fait sonner. Allez-y, hein. N'hésitez pas.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Me parler directement? J'ai des micros qui peuvent enregistrer vos voix. Merci. C'est très bien. J'ai des frissons. C'était vous, vous pouvez le refaire s'il vous plaît. Putain, ça recommence. Vous pouvez taper sur un instrument? Faire quelque chose de puissant. S'il vous plaît. Allez-y. Et franchement, si ça fait ça, c'est un truc de fou. Je me barre. Je reste pas là. Le bruit que vous avez entendu, c'était ça. Faire quelque chose de plus fort, s'il vous plaît. Je m'appelle Julien, je suis un passionné sur les événements et la recherche surtout paranormale.
J'ai un coup de flip en bas. Ben, dans la grande salle, ben ça a fait un bruit assez fort derrière moi. Ça l'a fait deux fois. Y'a rien. Ben va en bas, tu vas voir. Où ça? Ouais. Il y aurait quelqu'un? Tout à l'heure, vous avez fait sonner le thérémine. Est-ce que vous pourriez recommencer? Moi, j'adore la musique et j'adore surtout la danse. Vous pourriez faire de la musique pour que je puisse danser? Avec le thérémine là qui est par terre. Si c'est vous qui l'avez fait sonner tout à l'heure. Vous pouvez le refaire? Allez-y. Je vous fais peur. Ou alors vous êtes timide, vous n'osez pas jouer devant moi. C'est un lieu qui a connu beaucoup de musique. Il a connu des chants, j'imagine, beaucoup de chants. Et ensuite, de la musique. Pas la même qu'il y a en ce moment, mais c'était une musique aussi.
C'est un bâtiment qui a connu de la musique presque tout le temps. Il y a toujours eu des instruments qui ont résonné entre ces murs. Bon, moi je vais redescendre. Et puis si vous avez envie de leur faire sonner encore, ou si d'autres ont envie de le faire sonner, ben, n'hésitez pas. Cet instrument, il est là pour vous. On vous le laisse. Le temps qu'on sera là, bien sûr. Tout à l'heure. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Bien qu'on capte pas la radio là. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle de musique? Est-ce que quelqu'un voudrait venir jouer au piano? Jouer avec moi, ça a dit. Je place la spirit box sur le piano. Venez jouer avec nous. Moi, je suis pas douée de piano, je suis piano. Thank you.
Moi, je m'appelle Sylvie. Et le garçon qui est à côté de moi, c'est Julien. Et vous ? Pareil, vous allez pouvoir vous en servir pour nous parler. Et je pense que vous avez compris comment ça marche. Donc n'hésitez pas à nous laisser des mots. Essayez s'il vous plaît. N'ayez pas peur de nous. Faites-nous confiance. Approchez-vous. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un compositeur célèbre ? Parlez plus fort, s'il vous plaît, si c'est vraiment vous qu'on entend. Plus fort, vous entendez, mais c'est pas assez fort, s'il vous plaît. Essayez de faire un effort vraiment pour qu'on comprenne ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire. Vous aimez cet instrument ? Est-ce que vous voulez en rejouer ? C'est vous qui venez. C'est quoi ça? Le... Là, Julien. C'est pas moi. Julien. Julien, dans ton plan? Je sais pas. Non, il est sur moi le plan. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas la caméra qui fait ça, c'est impossible. Là, on a un enchaînement. J'entends un coup, je me barre de côté dans le couloir. Le pote sonne. Il est 2h49 du matin. Toujours dans ces heures-là, de toute façon, qu'il se passe des choses. Alors, admettons que c'est vous, l'appareil qui est au centre, par terre,
déclenche aussi. Regardez, si vous vous approchez. Voilà, tout simplement. Il y en a un en face de moi, là-bas, dans l'autre pièce. Pareil, c'est le même principe. C'est marrant parce que plusieurs fois dans ce bâtiment, j'ai des frissons à des moments. C'est comme si t'avais la chair de poule d'un coup. Puis ça passe, ça revient, c'est bizarre. Vous êtes venu jouer au piano ou nous montrer que vous êtes là? Vous pouvez faire quelque chose de plus pour nous dire que c'était vous, s'il vous plaît? Moi je vais vous montrer, hein. C'est pas possible. Regardez. C'est pas ta caméra qui fait ça. Là je le touche. Mais là tout à l'heure j'étais là. Il a sonné. Mais moi j'étais là, de toute façon ça a filmé. Hein. Ah, oui, oui. En fait ça filme sur moi. Donc... De toute façon il y a la caméra qui est là qui a pris le. Bon, mais on va reprendre la séance de Spirit Box. Alors pour cet épisode, la particularité c'est qu'on a enquêté dans un lieu qui anciennement était une caserne militaire. Faut savoir qu'aujourd'hui c'était un bâtiment qui était simplement dédié à la musique. Donc comme vous avez pu le voir, il y avait des pianos, pas mal d'instruments pour faire de la musique. Mais ce lieu était intéressant. C'est Sylvie qui m'a dit tiens pourquoi pas, est-ce qu'on n'irait pas faire une enquête là? J'ai la possibilité d'avoir les clés. Donc on s'est dit, allez, on y va, on va voir ce que ça va donner. La première grosse surprise, c'est en tout début d'épisode, on a à peine le temps d'allumer la caméra principale, la facecam, tout ça. Et on ouvre la porte du QG, et là on se retrouve dans la cage d'escalier, et d'un seul coup, on entend le thérémine qui se déclenche très fortement au dernier étage, dans la salle de danse. Donc ça, c'est un fait quand même marquant parce qu'il s'est déclenché pas qu'une seule fois. Il s'est déclenché 2-3 fois quand on était dans la pièce. Dès le moment où j'ai été l'arrêté, il a ressonné et de façon très bizarre. Donc je vais vous faire réécouter ce passage-là. Chaque fois.
en sachant que tu n'as jamais fait ça. C'est jamais déclenché quand on était à côté. Donc ça, c'est une première chose très très troublante. Pour moi, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de bug possible. Le theremin ne peut se déclencher en aucun cas. Il n'y a pas de talkie-walkie, il n'y a pas d'électricité. On a fait des tests. J'ai même mis le theremin à côté d'un micro-ondes en marche. Il ne se déclenche absolument pas. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, l'épisode, il a été pour moi très calme. Vous avez vu, hein, on part pas dans tous les sens, on s'est même séparés à un moment donné. J'ai vécu une petite frayeur, alors je sais pas si c'était un craquement ou si c'était d'une nature autre, mais en tout cas ça m'a bien fait peur. Et voilà, ça c'était quelque chose qu'on a voulu faire avec Sylvie. Dans l'épisode précédent que vous avez vu du coup, on s'était déjà pour la deuxième fois séparés dans la maison de retraite, donc on essaiera de faire ça plus souvent parce que je pense que ça peut améliorer la qualité d'une enquête, déjà d'une pour vous, et puis ça peut peut-être faire en sorte de mettre les entités en confiance du fait qu'on soit pas tous réunis au même endroit. Ensuite on a eu donc le déclenchement du pod, j'ai pas compris pourquoi. Après le bâtiment, il a des fonctions, donc du coup, il y avait encore de l'électricité. Mais le simple fait qu'il sonne comme ça, sans forcément qu'il y ait une raison, pour nous, c'était bizarre. Après, il y a peut-être une explication rationnelle. Il y en a toujours dans ces moments-là. Surtout avec un pod, il faut se méfier. Mais en tout cas, ça a été un petit moment aussi intéressant dans ce bâtiment. Et je vais passer avec vous une dernière chose. À un moment donné, sur un plan fixe, on entend une porte qui s'ouvre, ou un placard qui s'ouvre, je sais pas. J'ai cherché sur tous mes rushs si ça pouvait pas être nous, du fait que j'ai fait une erreur d'interprétation, que ça soit en fait nous qui ouvrons une porte, et que le plan fixe lui l'a enregistré, mais pas du tout. Alors je sais pas ce qu'on peut en penser, mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant, et on a rarement des bruits de porte comme ça dans une enquête, donc... pour moi, ce lieu, si on avait pu le refaire, je l'aurais fait même en solo ou demandé à Sylvie de le faire toute seule pour voir s'il pouvait se passer des choses encore plus sympas à analyser.